Voilà, dimanche soir, on avance. On avance très vite. Mettons couler sur un des côtés de l'avenue, comme vous le voyez, c'est un vide de banc. Sur une distance d'environ 500 mètres, ce béton est coulé. J'ose croire que demain matin, lundi, ces deux voies seront achevées. Et il n'y aura plus que la partie. Oui, il y en a encore. Hein, les longues parties, la partie de l'érosion qui va être touchée. Celle d'avant Montfleury l'a été. Puis ensuite vers les bureaux de la NER. Il faudra que ce soit fait. Bon, voilà. N'oublions pas le béton, lorsqu'on l'a coulé, il y a des principes. Il faut un nombre de jours. Je ne sais pas si cela est applicable sur les routes. Bon, mais sinon, voilà. Ce béton qui a été coulé. Cette journée de dimanche. Nous osons croire. Ça, c'est ceux qui restent. Qui devrait être nettoyé. Nous osons croire que dans les 48 voire 72 heures, ce chantier de Ngouma aura bien avancé parce qu'il travaille avec des équipes de jour tout comme des équipes de nuit. Comme vous le voyez, nous marchons. La route est complètement fermée afin que les travaux puissent se dérouler. Encore une fois, nous remercions le chef de l'État parce qu'il a plu qu'il puisse venir lui-même se rendre compte de la situation après avoir eu plus d'un rapport et depuis sa visite, les choses avancent. Encore une fois, Excellence, merci pour tout. Et nous espérons que les autres chantiers de la République connaîtront le même sort et que les contrevenants seront punis, tous ceux qui perçoivent l'argent et qui ne font pas le travail tel qu'il leur a été demandé. Abraham Bakabonga, dimanche, 22 h sur Ngouma.